Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Pour moi, oui, c'est un objectif, ce que j'ai dit aux joueurs. Hein. Qu'on ait l'ambition d'aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. Ouais. Sinon, on la joue pas, hein. On reste à la maison. Hein. Moi, je pense que c'est important. Toulouse a gagné l'an dernier, pourquoi pas nous cette année. Il faut qu'on ait cette ambition-là. Ouais. Parce que je pense qu'on néglige l'adversaire. On pense que ça va être facile. Il n'y a pas de match facile. Le football, c'est le seul sport au monde où n'importe quelle équipe peut gagner l'autre. Oui, c'est une bonne équipe, hein, Amiens. Ils ont un bel effectif, ils ont des bons joueurs, et des joueurs de qualité. Voilà, à nous de faire comme on doit faire, un bon match pour marquer des buts, parce qu'il faut qu'on retrouve le goût de marquer des buts, parce qu'on a fini la première partie de saison très difficilement en marquant très peu de buts. Voilà, il faut qu'on retrouve le goût de marquer, parce qu'on se crée des situations, mais on les met pas au fond. Il faut qu'on soit plus efficace et plus chirurgical devant le but. Ouais. Sûr, on a travaillé, ils ont bien cavalé, on a travaillé du foncier, ouais. On a travaillé pour bien faire une deuxième partie de saison. Ouais. Qui, FC ? Ouais. Oui, FC, on l'avait déjà suivi, hein, mon premier passage ici. On l'avait déjà vu, on avait hésité aussi. Et non, c'est un joueur qui peut jouer à 4 derrière, à 5. Ouais, il a un gros volume, il a une bonne qualité de passe, de centre. Ouais, c'est un bon joueur de couloir. Ouais. Ouais, il s'est entraîné tout le temps, il n'a pas eu de blessure. Et je pense qu'il était tout le temps remplaçant. Il a souvent été remplaçant. Il n'a pas beaucoup eu de temps de jeu. Mais la saison dernière, il avait fait pratiquement complet. Il avait fait 27 matchs. Voilà, il s'est remonté. Et cette année, il a enfin moins joué. Mais c'est comme ça. Mais on s'adapte tout le temps. Hein. Quand tu es coach, tu t'adaptes tout le temps. Oui, aujourd'hui, on est entre les blessés, qui ont du mal à revenir, les joueurs qui sont partis à la CAN. Voilà, ça fait qu'on a un effectif amoindri. Mais voilà, sur le banc, on va avoir beaucoup de gamins qui n'ont pas joué depuis 3 mois, 4 mois. Ça fait. Voilà, il faut qu'on retrouve de la santé, une meilleure santé pour tout le monde. À droite. Ouais. Oui, mais c'est comme ça. Hein. Après, j'ai dit à Jean-Marc hier, à Marc, ouais, Jean-Marc. Ouais, après c'est la concurrence, hein. C'est les meilleurs qui joueront. Hein. Les meilleurs qui joueront. Ce qu'ils me montreront en entraînement qui mérite d'être sur le terrain. Hein. Quand on va dans les autres clubs, dans les grands clubs, il y a toujours 2-3 joueurs hein, par poste. Se battre. Mais déjà, il faut qu'il revienne à un bon niveau. Ouais, le principal, c'est qu'il ait pas de douleur. Il a fait la prépa, les 10 jeux, il a fait les 10 séances avec nous, 11 séances même, aujourd'hui. Ouais, et petit à petit, ça va bien. La cicatrice, il a un petit peu mal par moment, quand il frappe, tout ça, mais c'est bien. Ça avance dans le bon sens. Ben oui, mais il est comme tout le monde et il faut qu'il monte le curseur footballistique à un bon niveau et qu'il soit constant dans ses performances. Hein. Non, c'est un bon petit joueur qui techniquement il a un bon pied gauche, il est capable de donner des bons ballons, de mettre des coups de pied arrêtés. Il a bien fait à Bastia, Il a fait des bons matchs aussi à Amiens. Ouais. C'est un bon petit joueur. Ouais. Ils ont un peu de tout. Ouais. Ils ont des joueurs
ça fait qu'ils sont là-bas depuis un moment. Bon, y en a, là, il y en a deux. Leur axe est parti à la CAN. Ils ont leur milieu offensif qui est parti à la CAN aussi. Voilà, après, on verra. Ils ont récupéré l'anglais devant. Voilà, ils ont des joueurs expérimentés et des jeunes qui ont un bon niveau. Ouais, c'est une équipe qui essaie de jouer. Ouais. À l'image de l'entraîneur qui a toujours prôné du bon jeu, qui a été à Sochaux. Oui, mais même la première partie, je pense que ce qui s'est passé contre Clermont a changé la physionomie de notre deuxième partie de la première partie des championnats. Ça a mis un coup d'arrêt un peu à l'équipe, parce que je pense qu'on aurait pu faire bien meilleur, bien mieux, bien mieux. Ben, confiant, on voit des bonnes choses. Ça donne de la confiance à l'équipe. Après, football, on sait qu'il faut toujours être régulier. Hein, c'est pas faire un bon match et le lendemain faire un mauvais match. Il faut être en capacité de répéter les prestations qui sont bonnes. Ben, ils ont envie de jouer comme ça. Ils aiment bien jouer comme ça. Maintenant, on verra. On verra déjà demain si on joue comme ça. Après-demain, si on joue comme ça. Parce qu'il me faut des joueurs de couloir aussi. Là, à gauche, j'ai pas grand monde.